Bonjour. Ay, caramba. Donc, vous pouvez voir que j'ai un beau chapeau. Est-ce que vous m'entendez correctement? Alors, il y a un chat ici. Vous pouvez vous en servir pour me dire si vous m'entendez. Et il y a comme d'habitude quand même un grand décalage entre ce que vous vous recevez et ce que moi je dis. Donc c'est 30 secondes. Donc il me faut 30 secondes pour voir vos messages dans le chat. Voilà, nous allons bientôt commencer. Nous sommes trois pour le moment. Et nous avons 3 minutes de retard, donc ça va, on va encore attendre 2-3 petites minutes. Et je vais évidemment vous raconter un petit peu tout ça. Bah, je vais faire l'intro quand même. Ah, bah voilà, il y a Norticus qui est parmi nous. Comment vous m'entendez pas fort? Ah, vous m'entendez pas fort. Ok. Alors, si vous m'entendez pas fort, je vais changer quelque chose. Merci Norticus, t'assure. Tac. Allô? Ah bah là, ça doit être beaucoup mieux. Je pense. Je peux même mettre encore un petit peu plus fort. Est-ce que là, c'est beaucoup, beaucoup mieux ou est-ce que c'est juste super mieux? Ah bah ouais. Il me voit Romain là dans la télé là? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, déjà je lui apporte du chocolat, déjà je suis une star. Alors si en plus je passe à la télé, je crois que là je suis une grosse grosse star. Et ben Romain pourra être mon prochain invité dès qu'il aura fait un peu de silex. Alors est-ce que vous m'entendez bien? Oui ou pas du tout. Bon, on va commencer. Je vais partir du principe que vous m'entendez correctement. Donc, nous disions. Alors, ce qu'on va voir pendant ce superbe atelier qui va durer un peu moins d'une heure, c'est. On va faire un petit rappel vite fait sur comment publier un site en 3 minutes. Ça va aller très très vite. Par contre, après, on va s'attarder un petit peu sur. Qu'est-ce qui fait que Silex est un bon outil de prod? Qu'est-ce qui fait que on a déjà vendu des sites avec Silex et il faudrait qu'on continue, qu'on reprenne à en vendre parce qu'en fait c'est très rentable et c'est beaucoup moins galère qu'avec d'autres outils. D'une part parce que bah, WordPress c'est un peu de la merde, c'est lent et c'est super dur à maintenir dans le temps, on se fait hacker, etc. C'est génial en vrai WordPress, bien sûr. Mais c'est en mode prod pour un client, c'est quand même très dangereux. Voilà. En plus, pour modifier vraiment le design selon une maquette, par exemple, précise en Photoshop, bah, c'est très compliqué. Et il y a d'autres outils, mais les autres outils, bon, le fait qu'ils soient payants, à la limite, puisque c'est pour un client, c'est pas très important. Par contre, les autres outils, il y a toujours un moment où le client va vous demander un truc qui n'est pas prévu dans l'outil, et donc bah, c'est mort, quoi. Voilà, vous ne pouvez pas le faire. Et des fois, il y a des trucs que vous allez faire qui sont très complexes, qui sont à la marge de ce que font l'outil. Bah, dans des outils propriétaires, ils vont tout faire pour que ce que vous appreniez, ça reste à l'intérieur de leur outil, c'est-à-dire que vous deveniez dépendant de leur outil. Une fois que vous avez passé 2 jours à apprendre des choses dans cet outil, vous n'allez pas pouvoir en ressortir parce que ce sera des choses qui ne sont que applicables dans cet outil. Par contre, dans Silex, au maximum, on se base sur des choses standards. Donc, quand ça sort de choses un peu complexes que Silex ne gère pas de base, eh bien, il va falloir que vous fassiez que vous appreniez des choses qui seront standards, que vous pourrez utiliser de toute manière dans le web design en général, que ce soit dans WordPress ou même quand vous faites, enfin, voilà, dans le web design du HTML, du CSS, pour pas les nommer. Quoi d'autre? Bah donc voilà, donc pour que Silex soit un bon outil de prod, il faut quand même connaître quelques petits trucs. Donc il y a déjà on va regarder quelle est la particularité des sites qui sont générés avec Silex, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils sont différents. Ils sont quand même différents de sites faits avec Wix ou avec WordPress, on va voir comment. Et ensuite on va rentrer dans le dur, on va voir comment
comment utiliser Silex en mode prod, le texte, comment gérer des styles qui soient réutilisables, comment se faire un environnement de pré-prod pour pouvoir montrer à son client avant de mettre live le site vraiment en ligne, mais quand même pouvoir le partager avec le monde, avec un public privé. On va voir comment coupler Silex à un CMS existant pour soit que vos clients aient un CMS du type WordPress pour éditer les textes et les pages, etc. Silex, soit tout simplement pour pouvoir faire des sites multilingues. Voilà. Et ensuite, j'espère que vous aurez plein de questions, donc n'hésitez pas, je regarde le chat en permanence. Alors, commençons par, là ça va aller très très vite, parce que évidemment tout le monde a regardé la vidéo de la semaine dernière qui disait comment on publie une template en deux temps, trois mouvements. Donc je choisis ma template, évidemment je prends la plus simple et la meilleure. Alors je vais prendre celle de tout en bas. Voilà. Silex m'avertit puisque je suis sur preprod.silex.mi qui est en fait la preprod de Silex, c'est-à-dire c'est la version bêta de Silex qui est en cours de développement. Donc si vous voulez faire la même chose que moi et suivre, et ben vous faites ça sur preprod et ça vous met un petit message de warning au début. Alors, ma template elle est là. Je vais déjà sauvegarder mon site avec CTRL S ou bien avec petit nuage Save Website. Je vais faire ça dans GitHub parce que c'est bien GitHub. Moi, je suis déjà connecté, sinon ça vous proposera de créer un compte. Je vais créer un dossier que je vais appeler Atelier 2, puisque c'est le deuxième Atelier 2. Voilà. Dans GitHub, il ne faut jamais rien mettre à la racine. Il faut tout mettre dans un dossier qui est là, Atelier 2, et dans le master, qui est un dossier dans Atelier 2 qui est créé automatiquement par GitHub. Voilà, donc vous mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Moi, je vais la laisser le nom par défaut editable.html, ça me le sauvegarde. Et pour preuve, je peux faire preview, donc le petit œil. Sauf que le petit œil, il vous montre votre site, mais ce n'est pas une adresse que vous pouvez partager avec d'autres gens, puisque c'est votre adresse à vous, il faut être logué dans GitHub. Bah voilà, c'est mon site. Super. Je peux le voir aussi en 3D. Non, c'est pas vrai. Je peux le voir avec des différentes tailles d'écran grâce à Respond Size, le petit R, le petit menu R. Donc voilà, donc je vais le voir pour tablette horizontale, tablette verticale, téléphone horizontal et même téléphone vertical. Wow. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux modifier les images, donc déjà je peux les déplacer, je peux double-cliquer dessus pour la changer. Donc là, bah, il faut bien que je me donne une image. Donc là, je vais cliquer tout en bas sur Select File et je vais y mettre mon image préférée, voilà, d'une poignée de main. Donc je mets ça dans mon site, ça va remplacer l'image originale. Je peux aussi évidemment importer avec le menu plus des images hein, de zéro, quoi. Voilà, donc là j'ai remplacé mon image. Je peux la resizer avec Shift majuscule, ça garde les proportions. Voilà. Et puis, donc il y a le menu plus pour ajouter des images à la scène. Voilà. Donc en gros, je vais vous montrer aussi vite fait les textes. Donc quand je double-clique sur un texte, je l'édite. Je peux bah, changer le texte. Je peux aussi changer la sémantique, c'est-à-dire dire si c'est un titre 1, titre 2, titre 3, si c'est un paragraphe ou quoi que ce soit. Et une fois que j'ai dit que ça, c'est un titre 2, par exemple. Si je fais échappe, 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 je désélectionne tout, je vais dans l'éditeur, pourquoi c'est le bordel ici là? Je vais dans l'éditeur de texte, de style de texte, et là je vais pouvoir modifier, bah, vu que j'ai mis titre 2, je vais vouloir modifier le design de mon titre 2, donc je clique sur titre 2, là j'ai tout désélectionné, donc je suis sur All Style, c'est-à-dire je modifie le texte, le style de tout mon site. On va y revenir tout à l'heure sur les textes de manière avancée. Et je modifie la couleur de mon titre 2. Donc ça modifie la couleur de tous les titres 2 de mon site. Donc il y en a un là, il y en a un qui est de 99$ et il y en a un là-haut. Voilà. Ok, je sauvegarde, je peux toujours preview, etc. Mais ce que je vais vous montrer maintenant. Image, texte. Ah oui, et je voulais juste vous dire que. Donc il y a l'éditeur de mobile, où je peux avec les flèches déplacer les éléments, je peux les redimensionner, etc. Changer les styles de texte, mettre plus gros, mettre plus petit. Et ça, tout ce que je fais là, en tout cas tous les changements de style, sont appliqués que sur la version mobile de mon site et pas du tout sur la version desktop. Dernier petit point, dans les petites roues, là, les settings, les roues en bas à gauche, les menus roues, vous avez tout ce qui est SEO, donc le titre de la page.
la description que va afficher Google quand il affichera votre truc. Voilà. Et enfin, les social networks. Donc là, vous pouvez mettre des éléments qui expliquent à Facebook ou à Twitter ou à n'importe quel social network. Quand quelqu'un va partager votre site sur un réseau social, il va y avoir une jolie description, une jolie image et un joli titre. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport aux settings. Et là, on va passer maintenant. Donc ça, c'était le petit rappel de la fois dernière. C'est normal que ça aille vite. Si vous avez des questions, même pour ça, n'hésitez pas à les poser quand même dans le chat. Voilà. Et sinon, je vais passer à la suite. Donc là, ça va devenir très professionnel. Donc, on a publié tout à l'heure mon site. On va le republier parce que du coup, j'ai perdu l'adresse. Donc, je vais republier mon site ici. Voilà. Bah non. Alors, ah bah j'ai oublié de le publier. Ah bah, vous m'avez rien dit. Alors attendez. Ouh là là, j'annule tout. Non 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 non. Attendez. J'ai oublié de le publier. J'avais pas mis encore. Donc je vais publier mon site, ce qui était quand même le but tout à l'heure. Je sais pas pourquoi j'ai pas publié. Et je vais choisir de le publier sur GitHub Page. Voilà. J'ai plusieurs options. Le plus simple, c'est ça pour l'instant. Il va me demander dans quel dossier. Donc bien dans Atelier 2. Tant qu'à faire, c'est mon site là sur lequel je bosse. Il me demande si j'ai un nom de domaine à moi. Bah non, je vais utiliser celui qui me file GitHub. C'est plus simple. Mais c'est gratuit de mettre. Si vous avez acheté un nom de domaine, c'est gratuit de le mettre dans GitHub. Il l'héberge aussi. Enfin voilà. La première fois, il y a souvent une erreur. C'est la vie. Donc des fois, il faut publier deux fois. Donc contrôle P ou bien petit nuage publication. Voilà. Bah, la première fois qu'on publie un site, je sais pas pourquoi il y a une erreur. Voilà, donc là ça me publie mon site et ça va me donner une adresse publique que je pourrais partager avec tout le monde pour le coup. Pas mal. Là ça déploie sur GitHub Page. Et donc après, donc on va passer, maintenant que vous allez constater que j'ai un site public, je vais vous montrer quelles sont les particularités des sites créés avec Silex. Donc il y a des gros avantages et des inconvénients. Ce sont des partis pris. Il n'y a aucune technologie n'est totalement parfaite. Donc là nous voyons la version publique de mon site. Voilà, vous voyez, vous pouvez partager cette adresse. Et je vais vous montrer un autre moyen de visualiser votre site selon plusieurs tailles d'écran. Donc là, je suis dans Firefox, évidemment, comme tout le monde, comme tous les gens bien. Et je vais faire Ctrl Shift M. M comme mobile. Et ça va me donner un truc comme ça. Donc là, je peux du coup redimensionner un peu mon site comme j'ai envie. Je peux lui dire aussi, mets-moi sur la taille de l'iPhone XS. Non, personne n'a d'iPhone XS de nos jours, je pense, mais bon, on peut voir ça comme ça. Voilà, donc ce qui est intéressant de voir là, mis à part le fait que comme dans Response Size, je peux voir les différentes tailles d'écran, c'est la manière dont se comporte mon site quand je redimensionne progressivement l'écran. Donc là, nous avons en fait au milieu la partie rouge-grise, là, ici. Nous avons quoi? Nous avons une section, nous avons le milieu de la section, le conteneur principal dans lequel je peux mettre des éléments. Je pourrais les mettre au fond, les éléments, mais là, je les ai mis dans mon conteneur de section au milieu. Ce qu'il faut voir, c'est que ce conteneur de section, il est donc toujours centré, quelle que soit la taille de l'écran, et surtout, il est toujours visible. C'est-à-dire que quand l'écran devient un peu trop petit, qu'on n'est pas quand même sur mobile, mais qu'il y a quand même un écran petit, eh ben, ça redimensionne le site. Donc c'est pas exactement ce qu'on appelle du responsive, c'est optimisé pour les mobiles, mais c'est pas responsive. C'est responsive dans le sens où quand même ça passe à une version mobile qui elle se comporte de la même manière. C'est-à-dire quand on a un écran qui est vraiment un mobile, hop, ça passe à la version mobile. Et si mon mobile a un écran vraiment tout petit, bah ça scale mon site pour que le design soit exactement celui que vous avez défini dans l'éditeur mobile de Silex. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que d'une part, c'est pas vraiment complètement ce qu'on appelle du responsive quand on est un puriste et qu'on a raison d'être un puriste. Par contre, c'est pixel perfect. Et ça, c'est cool. Et ça veut dire qu'on a deux versions de son site à faire, sachant que la version mobile est générée au début à peu près comme il faut et il faut la retoucher. Et notamment là, il faudrait mettre des fontes, beaucoup des textes plus gros, parce que pour un mobile, c'est pas terrible, hein. Et voilà. Donc ça, c'est la manière dont se comportent les sites Silex du point de vue du redimensionnement. Il y a un truc qui a changé récemment aussi dans les sites Silex, c'est quand mon site a plusieurs pages. Donc pour ça, je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai oublié, on peut faire plusieurs pages. Là, il n'y a qu'une seule page sur mon site, donc je vais devoir créer une deuxième page. Je vais l'appeler donc, très original, page 2.
Voilà, donc je fais petite plus en bas là. Ça c'est pareil, c'était dans la vidéo de la semaine dernière. Et dans ma page 2, tiens, je vois qu'il y a des éléments qui sont visibles, pas visibles. Donc ça c'est parce que tous ces éléments-là, dans leur visibilité ici, dans les propriétés visibles, ils sont visibles que sur la page 1. Je veux pas ça, moi, je veux qu'ils soient visibles partout. Par contre, c'est la section, je vais changer un peu la visibilité des sections. Là, vous voyez, donc j'ai... Ah bah, il y a les images aussi qui disparaissent, tiens, ça c'est intéressant. Hop. Ah. Donc les images, c'est pareil, je veux qu'elles soient visibles partout, sur toutes mes pages. Donc je fais visibilité toutes les pages. Donc là, j'ai mes deux pages qui sont les mêmes. Mais pour cet exemple, je vais dire que la première section, elle ne sera visible que sur la page 1. Et la deuxième section en bas, elle ne sera visible que sur la page 2. Voilà. Et le header et le footer, on les laisse visibles partout. Donc j'ai page 1, page 2. Ok. Je sauvegarde. Je publie. Déjà, je vais vous montrer la preview. Donc la preview, là, ah oui, il me faut des liens. Parce que là, la preview, bah, je commence sur la page 1. Comment je me rends sur la page 2? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc il faut que je rajoute des liens, effectivement. Donc pour ça, je vais faire plus. Et je vais rajouter ça sous forme de texte, tant qu'à faire. Voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des textes. Hop. Ça pourrait être des images, hein, les liens. Donc là, c'est mon lien vers la page 1. Page 1, je l'appelle. Ça va être un paragraphe, simplement. Et je vais le dupliquer. CTRL-C, CTRL-V. Tac. Et je vais l'appeler celui-là, page 2. Voilà. C'est pas parce qu'il y a écrit page 1 et page 2 dans un champ de texte que ça va faire des boutons vers les pages 1 et les pages 2. Il faut quand même que je sélectionne le texte. Et je vais dans Link, ici, à droite. Et je lui dis, toi, page 1, tu amènes vers page 1. Et toi, page 2, tu vas amener vers page 2. Voilà. Et je vais leur dire à tous les deux. Donc, Shift, clic, et je sélectionne les deux. Je vais leur dire à tous les deux, vous êtes visibles sur toutes les pages. Voilà. Ça fait que je vais avoir sur toutes mes pages, dans mon header, deux liens vers, bon, pas pour pouvoir naviguer. Hein. Donc, je vais faire Preview. Et ici, vous allez voir que, effectivement, on a donc un site avec deux boutons qui amènent vers la page 1 et la page 2. Voilà. Allez, donc page 1, page 2. Voilà. Donc là, j'en viens à un truc qui est intéressant. C'est que si vous regardez dans l'URL, ici là-haut, en fait, on est en train d'éditer un seul fichier qui s'appelle editable.html. C'est comme ça que je l'ai nommé quand j'ai sauvegardé mon site tout à l'heure. Oui, on regardera cette histoire d'erreur, ça c'est sûr. Donc là, il n'y a qu'une seule page. Et c'est ce qu'on appelle l'encre HTML, là, ou le hashtag, qui change. D'accord ? Et ça, c'est parce que c'est la preview. Donc, quand je publie, par contre, ce que fait Silex, donc je recommence, je publie. Ok, sur GitHub page, c'est parti. Donc, ce que fait Silex là, c'est qu'il optimise mon site. Il va supprimer plein de trucs inutiles pour le site une fois publié, qui sont utiles pour quand je suis en train d'éditer, mais pas quand j'ai publié. Et il va optimiser tout un bordel. Il va supprimer plein de trucs et il va splitter en plusieurs pages. Donc là, il nous le dit, il est en train de créer index.html et page-2.html. Et il me dit, voilà, c'est bon, ton site est prêt. Donc, mon site est prêt. Et là, je vois effectivement que je suis sur index.html. Alors, il faut des fois un peu de temps pour que GitHub déploie mes changements. N'est-ce pas? Parce que là, je vois bien, j'ai pas mes deux boutons, là. Donc, je vais rafraîchir un petit peu, 2-3 fois. 4 fois, 5 fois, 10 fois. 100 fois, 1000 fois, peu importe. Ben, alors. Bon, là, il prend plus de temps que d'habitude. C'est pas grave. Mais quand j'aurai mes deux boutons, je vais bien voir qu'en fait, mes deux boutons, ils pointent vers des pages HTML différentes. Donc, ah bah ça y est. Donc, ils pointent vers page 2. Et là, j'ai bien une page HTML. Il a bien splitté en deux pages, Silex. Ce qui est mieux pour le référencement, pour le temps de chargement. Du coup, ça charge une page par une page au lieu de tout télécharger d'un coup. Enfin, voilà. Bon, c'était un truc que je voulais vous dire. Ça se comporte toujours de la même manière, c'est-à-dire ça se scale, hein. Et puis, il y a un breakpoint où ça devient BIM, ça devient version mobile. Et là, ça se scale. Et puis, quand ça devient grand, bah, ça reste centré. Voilà. OK. Donc, ça, c'était une petite théorie sur si les clients vous demandent, il faut quand même que vous sachiez comment se comportera leur site à la fin. Et maintenant, on va passer sur un truc qui va vous amuser beaucoup, je pense. C'est comment faire un site qui est qui va être facile à maintenir dans le temps, à faire évoluer dans le temps. Et pour ça, principalement,
on va utiliser là-haut à droite l'éditeur de texte, l'éditeur de style. Donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que j'ai All Style, qui est quand rien n'est sélectionné sur la scène, par défaut, ce que m'offre Silex, c'est un style qui modifie tous les textes de mon site. Donc All Style. Quand je sélectionne un élément texte de mon site, je vais pouvoir lui attribuer un style à lui, en particulier qui va me permettre de le modifier que lui. Ou bien, si, donc on va le faire là. Donc par exemple pour ce truc About Tech Team, je voudrais que le paragraphe qui est là, il soit rose, mais que sur mon footer, que à cet endroit-là. Donc je vais lui attribuer un style. En fait, tout simplement, si je dis, bah, je choisis P pour modifier P, et tout simplement, vu qu'il est sélectionné quand je vais modifier sa couleur, ça va créer un style. Tac, donc je vais l'appeler, je vais le mettre en rose, parce que c'est très joli le rose. Et là, ça n'a pas marché, parce que c'est peut-être pas un paragraphe. Donc je n'ai pas été voir. Voilà, bon, ça doit être autre chose. Donc j'ai modifié tout pour que ce soit rose. Voilà. Et là, automatiquement, Silex, il a créé un truc qui s'appelle TextStyle One. Et qui est juste pour ce texte-là. Moi, je vais le renommer parce que TextStyleOne, ça ne veut rien dire. Je vais l'appeler footerText. Voilà. Tac. Ce qui est intéressant, c'est que si je me dis, ah ouais, mais alors attends, il y a un autre endroit dans mon site, donc imaginons ce truc-là, contact-là, bah, je voudrais aussi que le texte soit en rose, en fait, finalement. Bah, je vais pouvoir là sélectionner ce que j'ai appelé footerText, et ça va lui appliquer le style à ce champ de texte. Donc là, il se trouve que je pense que je n'ai aucun. Voilà, enfin bref, il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de paragraphe. Enfin voilà. Là, vous voyez que ça a marché, quoi. Je lui ai attribué, vous voyez, footer text. Si je veux sélectionner tous les éléments qui ont footer text, je fais le petit select ici. Et je vais sélectionner, du coup, si j'ai envie de supprimer par exemple, tous les éléments qui ont le style, tel style, bah après, je clique sur supprime et ça les supprime. Voilà. Si vous avez des questions sur cet éditeur de texte, en tout cas c'est important, ce sont des classes CSS qui sont créées. Donc là, footer texte par exemple, en fait, du coup, si je vais le retrouver dans les classes CSS de mon élément, alors on n'a pas abordé vraiment les classes CSS, mais là dans style, en fait, de mon élément, je retrouve footer texte. Bah oui, parce qu'en fait, c'est juste une classe CSS. Si j'applique cette classe CSS à autre chose, eh ben, il prend ce style de texte qui est défini ici dans le Style Manager, Style Editor. Voilà, ça c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on fait pour qu'en fait, à un moment, si j'ai envie de changer toutes la fonte de mon site ou toutes les typos, les couleurs ou l'espacement entre les lettres ou je sais pas quoi, eh ben, je vais pouvoir le faire à un endroit sans avoir à modifier chaque champ de texte. Voilà. Mais je peux quand même avoir des champs de texte très spécifiques sur lesquels il y a un style particulier. Voilà. C'est le principe des classes CSS et c'est le Style Manager. Je vous ai parlé de fonte. Alors la question que je vous pose, c'est mais comment ça marche les fontes d'un Silex? Là, ce qu'on peut voir, si je désélectionne tout, et donc je vois le All Style, c'est que tous les textes, All, on leur applique un Roboto sans sérif. Donc ça, c'est une fonte. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux changer cette fonte, ou tout simplement, je veux ajouter des fontes à mon site? Eh bien, tout à gauche, il y a le menu Fonte, justement, comme par hasard, qui est nouveau d'ailleurs depuis pas très longtemps. Et à cet endroit-là, je peux ajouter des fontes. Donc j'ai ma ou retirer des fontes ou éditer des fontes. Donc on va voir comment ça marche vite fait, parce que c'est important pour les clients qu'ils aient leur fonte à eux. Donc quand je fais Add font ici, ça va me demander l'URL d'une fonte, tout simplement. Donc par défaut, c'est enfin, on peut prendre des fontes de n'importe où. Mais là, je vais vous montrer comment ça marche avec Google Fonts, parce qu'en fait, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de mieux que Google. Il y a un truc de Open Font qui est pas mal aussi, que vous pouvez utiliser, qui est même bien, mais il est un tout petit peu plus compliqué. Donc là, je vais juste vous montrer là comment ça marche avec Google Font. Donc je choisis ma fonte, par exemple le Major Mono Display. Je me dis, tiens, ça c'est une belle fonte que j'ai envie d'avoir sur mon site. Eh bien, je clique dessus, je fais Select this font dans Google Fonts. Et en bas, on voit qu'il m'a mis un petit truc sur cette fonte, justement. Il me dit, ben voilà comment utiliser cette fonte dans ton site. Alors, tout simplement. Donc je me remets sur Silex, je vois qu'il me demande une URL qui ressemble un peu à ça, avec family égale et le nom de ma fonte. Bah là, c'est justement l'URL qui est ici. Donc cette URL ici, je la copie et je la colle dans Silex. Je fais OK. Et là, il me demande, bah oui, mais quel est le nom de ta fonte? Et bah justement, eux, ils disent ici, le nom de la fonte, font family, c'est Major Display Ninana, virgule Monospace. C'est important parce que au cas où, le temps que la fonte se charge, il va du coup mettre du Monospace.
Et c'est important de laisser le virgule quelque chose, quoi. Voilà. Donc je dis à Silex, voilà, je lui ai donné l'URL, je lui ai donné le nom de ma fonte, il me l'ajoute à mon site. Du coup, mon site pèsera un peu plus lourd, par contre. Ok, le site pèsera plus lourd, mais je peux maintenant, à tous mes textes, attribuer un major monodisplay, ou seulement un certain texte en utilisant l'éditeur de style, évidemment. C'est absolument immonde, cette fonte, sur ce site, comme vous pouvez le voir. Donc je vais le mettre que sur certains textes, hein. Je vais le mettre que sur mon footer qui est déjà dégueulasse. Donc je vais appliquer cette fonte, et vous voyez qu'en fait, ça l'a appliqué évidemment à l'autre aussi, à qui j'avais aussi appliqué ce style de texte. Donc voilà, donc j'ai des fontes, et je peux changer tous les textes, ou seulement certains textes, la fonte de... Voilà. Je sauvegarde, et on va passer à autre chose de bien marrant. Quand vous avez un client... Bon, il n'a pas réussi à sauvegarder, bah tiens, c'est nouveau ça. Quand vous avez un client, il va forcément vous demander... Ah bah, pré-prod est down. Bon, c'est pas grave, je vais heureusement, ça va reprendre, ça repart dans pas longtemps, je pense. Il y a peut-être beaucoup de monde sur pré-prod, vu que c'est un serveur qu'on n'a pas du tout... D'accord, génial. Donc je vais redémarrer le serveur, parce que c'est pas un serveur qui est fait normalement pour qu'il y ait du monde. Là, il y a l'air d'avoir quand même un petit peu de monde. Combien on est? Bim, bim, bim. Bah ouais, on n'est pas très nombreux, ou je sais pas. En fait, ça n'affiche pas. Laissez-moi 2 secondes pour redémarrer ça. C'est parti, je redémarre le serveur. J'adore ce genre de choses. Vous êtes toujours là, les gens, là? Ah mais c'est tout Heroku qui est down là ou quoi? Voilà. Bah Heroku, ils ont du mal. D'accord, donc mon hébergeur a du mal. Mon hébergeur a du mal, je répète, mon hébergeur a du mal. Voilà, ça y est, c'est reparti. Alors, on reprend, je reprends. Donc, je vous ai montré comment gérer des styles pour le site d'un client. Maintenant, je vais vous dire, en fait, voilà. Donc, je reprends. Ils sont là encore, les gens. Super, merci les gars. Donc, en fait... Votre client, à un moment, il va vous dire « Ouais, mais je voudrais changer la couleur de mon site, gnagnagna. » Donc, vous allez faire une autre version du site. Est-ce que vous allez vouloir vous laisser lui montrer sa nouvelle version? Il va vous dire « Ok, ça me va » ou « Il faut modifier des trucs. » Puis, à un moment, il va vous dire « Ok, c'est bon. » Et là, vous allez publier le site sur son nom de domaine, vraiment. Donc, pour ça, il vous faut 2 environnements. L'environnement de test ou de pré-prod, on appelle ça, et l'environnement de prod. Je peux chanter quelque chose en mexicain. Alors là, il n'en est pas question. On va rester sérieux 2 secondes. Donc, comment on fait 2 environnements de prod dans Silex? Eh bien, c'est simple. En fait, on a un seul site, voilà, qui est celui-là. Et quand je publie, au moment de la publication, c'est là que je vais choisir de publier sur mon site de prod ou mon site de pré-prod, tout simplement. Donc, je fais éditer les settings de publication. Et là, soit je peux passer sur Choose a Folder qui va me permettre de publier sur mon FTP, par exemple, ou dans un dossier particulier de mon FTP, ou bien sur GitHub Page, comme moi j'aime bien le faire, puisque c'est le plus simple. Sauf que là, dans GitHub Page, on va choisir un autre site qui sera pré-prod. Donc, au lieu de Atelier 2, je vais choisir mon site poubelle, qui est là, Répète. Voilà. Je vais lui dire, là, tu publies dans Répète. Ça va me créer un nom de domaine que je pourrais partager avec mon client, une version de test, et quand mon client me dira « Ah ben c'est super, vas-y, publie sur le test principal », eh ben tout simplement, je vais rechanger mon settings de publication. Comme d'habitude, il y a une erreur la première fois, c'est génial. Ma publication, je vais la rechanger pour que ça publie sur son site, vraiment son site, quoi. Alors, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. C'est peut-être un peu couillon ce que je viens de dire, mais c'est important de voir que c'est simple quand même avec Silex d'avoir plusieurs environnements, surtout avec GitHub Page. Même si vous ne voulez pas pourrir l'hébergement de votre client avec un site de test, bah vous pouvez lui donner une adresse de votre nom de domaine sur GitHub ou bien tout simplement l'adresse que vous donne GitHub, quoi. Voilà. Là, par exemple, en l'occurrence, j'ai donc mon site modifié, j'ai mes 2 versions de mon site. Qui sont là. Donc là, j'ai slash répète et slash atelier 1, je crois que ça s'appelait. Atelier 2, pardon. Voilà.
Ok, ça c'est pour les. Donc on a vu comment faire un site maintenable avec des histoires de fonte et de style de texte qui sont réutilisables. On a vu comment avoir plusieurs environnements pour partager avec le client et dont l'environnement de prod. Et maintenant, on va voir un truc qui est assez incroyable, je trouve personnellement, qui est tout nouveau. Et je vais pas rentrer complètement dans les détails, je pense que je ferai un atelier exprès là-dessus. C'est comment coupler Silex avec le CMS statique Jekyll. Donc Silex, il fait il génère des sites statiques, c'est-à-dire en fait c'est juste une page HTML, c'est juste un fichier. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de PHP ou de langage côté serveur qui vont modifier le site au fur et à mesure qu'on demande des pages. Merci Sebri pour l'encouragement. Et Jekyll, c'est un CMS statique. C'est pareil, Jekyll, c'est un CMS statique, donc ça veut dire que on crée des fichiers texte en fait à la main, ou on utilise un CMS qui est créé par un tiers. On va voir tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont créé des CMS pour éditer ces fichiers texte. En tout cas, on édite des fichiers texte, et Jekyll, lui, il crée un site statique, c'est-à-dire des fichiers HTML, CSS et JavaScript à partir de ces fichiers texte. Je reprends parce que j'étais pas très clair, je pense. Nous avons ici un site Jekyll, qui, quand on le visualise sur GitHub Page, ça donne ça. Voilà, c'est un site d'une page, de deux pages, français et anglais. Voilà. Okay. Et vous voyez que le design est le même, mais les textes sont différents. Il y a le français, il y a l'anglais, jusque-là, il n'y a rien d'étrange. Comment il est fait ce site? Il est fait à partir d'une part des layouts, ce qu'ils appellent des layouts dans Jekyll, là il n'y en a qu'un. C'est le layout qui s'appelle landing, le fichier landing.html. Et il y a d'autre part des fichiers texte, donc par exemple fr.md. MD, ça veut dire markdown, c'est une façon d'écrire le texte un peu comme le langage wiki il y avait à l'époque. C'est très simple, c'est fait pour être simple. Mais c'est pas aussi simple qu'un CMS où il y a des boutons gras, soulignés, etc. Mais vous allez voir. Et donc, si je regarde ce fichier, je peux même l'éditer. Ah ben non, je ne peux pas l'éditer, attention, parce que ça c'est le site Lexoyo, donc il va falloir que je le fork. Mais en tout cas, si je regarde ce fichier fr.md, il a layout égale landing. Donc il utilise le layout landing. Et le layout landing, en fait, c'est justement ce design-là. Donc là, si je vais sur fr.html, puisque j'avais fr.md, Jekyll il a considéré qu'il fallait créer fr, enfin, ou on peut même d'ailleurs taper juste fr. Voilà, slash fr. Et Jekyll comprend que ça, c'est la version fr de mon site et il met le bon design avec les textes qui correspondent à fr. Je vais vous en montrer un petit peu plus. Avant tout, ce qu'on va faire, et vous pouvez le faire en même temps que moi, on va d'abord commencer par forker le repository. Donc vous allez sur, je vais vous donner le lien là dans le chat, vous allez sur Lexoyo Jekyll Silex, tac. Hop là. Donc là, si vous allez là, vous pouvez fork. Le site et ça va faire donc moi je vais le forquer ici tiens c'est marrant je l'ai déjà forqué ok c'est pas grave je vais le forquer ici j'espère que j'ai pas déjà un truc tout pourri non c'est bien donc ça vous fait en fait une version de ce site mais chez vous sur votre espace GitHub que vous allez pouvoir modifier d'accord donc là j'ai juste fait fork et ce que ça me donne c'est un site à moi. Le même quoi, le même. Donc là, quand vous allez dans les settings, vous descendez un peu, vous allez dans GitHub Page. Et ici, il va y avoir l'adresse de votre site quand vous aurez modifié un truc. Donc il faut commencer par modifier un truc. Donc reprenons. Je vais dans fr.md, là, comme tout à l'heure. Sauf que là, je vais modifier un peu des trucs. Je fais Edit dans GitHub. Et là, par exemple, dans le titre, au lieu de l'appeler Outil gratuit pour Webmaster, je vais l'appeler Outil gratuit tout court. Voilà. Donc là, je suis en train d'éditer fr.md. J'espère que c'est la première fois que je l'explique ce truc-là. Je l'avais répété pourtant, mais je n'ai pas l'impression d'être très clair. Mais bon, vous me direz. J'ai modifié fr.md. Ça veut dire que là, maintenant qu'il y a une modification, GitHub, il va le publier, en fait, ce site, sur mon nom de domaine, sur mon espace GitHub page. Donc pour savoir où est-ce qu'il l'a mis, je vais dans Settings, dans les propriétés de mon projet, là. Et là, cette fois-ci, maintenant, on le voit bien apparaître, il y a GitHub Page et il y a un nom de domaine ici qu'il a créé pour moi, qui est 404, parce que pour le moment, il faut un moment avant qu'il le publie. Moi, j'ai modifié quelque chose, ben là, il faut un moment avant qu'il le publie. Voilà, ça va venir.
Ça va venir. Ça met un petit peu de temps. Bon, on va reprendre tout à l'heure. On verra qu'est-ce qu'il a publié. Donc là, je reviens à mes fichiers. J'ai modifié fr.md et du coup, ça a généré un build du site, quoi. Ça a créé le site. Et avec ma modification, donc vous allez voir, j'ai modifié le titre. Donc le titre, c'est ce qu'on voit apparaître en haut dans l'onglet. Ah, tu peux le faire là, tu peux le faire. Bon, parfois c'est un peu lent. Parfois c'est quasiment instantané, mais bon, ok, admettons. Là, c'est un petit peu lent. Alors, je vais enchaîner, on verra la gueule du site après, mais effectivement, quand je modifie du texte dans les fichiers qui sont là, ça modifie mon site. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, là, normalement, les layouts dans Jekyll, les gens les éditent à la main, font du HTML, CSS à la main, ce qui est très bien. Mais je vais vous montrer un moyen de le faire avec Silex. Donc, là, je reprends ma template que j'avais tout à l'heure. Je refais publier, CTRL P, mais cette fois-ci, je vais lui demander de publier, non pas avec GitHub Page, mais bien un Jekyll Layout. Je fais suivant. Là, il me demande de lui indiquer où est mon Jekyll. Eh bien, mon Jekyll, moi, je l'ai forqué tout à l'heure, donc il est dans mon GitHub aussi, mais il est dans Jekyll-Silex, vous vous rappelez? Donc là, je vais lui choisir donc Jekyll-Silex, bon, bah, GHPage, je lui dis, bah voilà, la racine de mon Jekyll, elle est là. Ok. Je fais OK. Et lui, il va encore une fois optimiser mon site Silex, le splitter, etc., mais le ranger aux bons endroits pour qu'en fait, j'ai bien chaque page de Silex sera un layout dans Jekyll. Donc dans Silex, j'ai deux pages, j'ai page 1 et page 2. Ça veut dire que dans mon Jekyll, maintenant ici dans Layouts, j'ai page-1.html, page-2.html. Ça, c'est des layouts qu'on va pouvoir utiliser dans nos pages Jekyll maintenant. Donc je m'inquiète un peu parce que il n'a toujours pas publié mon site, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, je vais quand même continuer. Donc là, dans fr.md, je vais le modifier, ce fichier. Okay. Encore une fois. Et là, au lieu de juste modifier le titre, je vais modifier le layout. Et je vais lui dire, c'est page-1. Et page-1, ça va correspondre à cette page de mon silex, d'accord? Voilà. Allons-y. C'est parti. Donc je lui dis, tu utilises page-1. Ok, super. Allons-y, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire que maintenant, alors bon, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas, voilà, c'est pas grave. On va aller sur slash fr parce que c'est ça que j'ai modifié. Incroyable. Incroyable. Donc j'utilise le layout page-1. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors je vais lire le README du truc parce que c'est ce qui me dit comment faire. Donc on forque le truc, nanana, éditer le contenu, c'est ce qu'on vient de faire. Éditer le design dans Silex, c'est ce qu'on vient de faire aussi. Bon, intéressant. Ah bah voilà. Ça a juste mis beaucoup de temps à le publier, mais ça y est, là, il a l'air d'être publié. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est que bah, à l'origine, mon site, c'était. Bah, j'ai tout pourri mon site. Ok. Bon, en tout cas, dans slash fr, puisque j'ai fait fr.md, je l'ai modifié, je lui ai dit, tu utilises mon nouveau layout. Il a bien mis mon layout. Si par exemple, je fais un nouveau fichier ici, donc je fais create new file. À la racine de mon site, et je vais l'appeler es comme espagnol.md pour faire la version espagnole. Je vais respecter les petits tirets là qu'ils mettent au début et je vais lui dire layout de point page 2, page-2, donc mon deuxième layout. Je vais créer une nouvelle page. Vous allez voir comment c'est simple. Voilà, j'ai créé un truc qui s'appelle es.md. Et ça veut dire que là, à la place de fr, je vais avoir slash es qui va être créé par Jekyll, ça va mettre un petit moment, et qui va être mon gabarit numéro 2. D'accord?
Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais bon, c'est bien joli de créer des pages, mais c'est juste des pages silex finalement, donc on aurait pu le faire en silex, hein. Attendez, pas si vite. Ce qui se passe en fait, c'est que je vais pouvoir rendre tout ce texte dynamique. Ça veut dire que là, je vais pouvoir, donc ça c'est l'étape d'après, je vais dire à Jekyll, ce texte-là, en fait, je veux qu'il soit dynamique. Comment je fais ça? Eh ben, c'est dans silex. Je suis sur la bonne branche, je suis pas sûr d'être sur la bonne branche, ouais. Tiens, ça c'est une bonne. Non, mais si, parce que ça build finalement, c'était juste trop long. Donc dans Silex ici, je vais supprimer le texte de base et je vais juste mettre un petit code qui est documenté que je vous donnerai et qui est en fait content. Voilà. Donc accolade, accolade, content, fermer les accolades. Voilà, tout simplement. Je fais sauvegarder, je republie. Au même endroit en tant que Jekyll, en tant que layout Jekyll. Ouh, mais que c'est long aujourd'hui, dis donc, ouais. Voilà, c'est parti. Ça publie. On est très content. Et ce qu'on va voir en fait, c'est que ici, dans le fichier fr.md, on peut maintenant mettre du texte. Donc je vais éditer fr.md. Je vais écrire test de texte ici, là, tout simplement, en vrac dans le, voilà, en vrac dans le fichier, quoi. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant dans fr, dans la page fr, là, slash fr de mon site, eh ben, je vais avoir quoi? Je vais avoir, au lieu d'avoir test suite XL ni nana, je vais en fait avoir test. Qu'est-ce que j'ai écrit? Test texte. Voilà. Donc il faut juste le temps que ça se mette à jour. Sauf que test texte, bah, c'est pas ce qui va m'intéresser beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait ce même texte-là, mais je vais vouloir pouvoir le mettre en plusieurs langues ou le changer facilement. Donc là, je fais un copier-coller de ce texte-là, le temps qu'il build mon site là. S'il veut. Voilà. Non, il veut toujours pas. Bon, il met du temps aujourd'hui. Donc je vais rééditer mon fichier texte là. Et je vais mettre l'ancien texte qu'il y avait avant pour que ça revienne au même en fait. Sauf que là, test suite XL, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a dit c'est du titre 2. Donc titre 2 en langage Markdown, c'est deux petits dièses. Et puis là, on va faire des vrais bullet points. Hein, donc on va mettre une petite étoile au lieu des plus là qui sont bizarres. Voilà. Et je vais sauvegarder ça. Voilà. Ici, je suppose qu'il a eu le temps de build mon truc. Non, toujours pas. Bon, intéressant. Ok, c'est pas grave. Et je vais faire la même chose avec ES. Avec ES, en fait, je vais lui dire ES.md. Et donc là, en fait, je suis en train de vous montrer comment on fait un site multilingue. Voilà. Donc dans ES.md, je vais lui dire, tu prends bien le layout 1, le même layout, mais tu vas mettre un autre texte. Test texte, donc là ce sera le même texte mais en espagnol, je suis pas encore assez calé, je vais pas vous le faire tout de suite en espagnol en live, mais du coup ce qu'il faut voir côté Silex, oh là là mais qu'il est long GitHub aujourd'hui, c'est que je vais avoir d'un côté mon slash fr et de l'autre côté mon slash es, donc j'ai créé une page. Alors là pour l'instant il a encore pas capté que il utilise encore mon gabarit layout 2. Il n'a pas encore tout build. Voilà. Et ben on va attendre un petit peu. Il faut que vous sachiez un truc. Là, pour faire des sites multilingues, c'est super simple. Je récapitule, hein. Je vais dans Silex. Chaque page est un gabarit. J'ai des petits marqueurs comme ça que je mets dans des textes. Ça les rend dynamiques. Je vais dans GitHub Page. Je crée des fichiers .md automatiquement. À l'intérieur, je mets du texte et automatiquement, ça va me créer des pages de mon site. Donc, je peux, si j'ai par exemple trois layouts dans Silex avec des designs spécifiques, je peux créer 100 pages derrière où j'ai juste 100 fichiers texte dans lesquels je mets du texte. L'éditeur de texte, il est un peu basique, mais ça se fait. Et avec les styles de texte Silex, je peux les mettre en forme, quoi. Voilà, donc ça va me donner des sites qui sont maintenables et qui sont pixel perfect, etc.
Maintenant, il faut que vous sachiez un truc, c'est qu'en fait, éditer des fichiers à la main dans GitHub, c'est quand même pas le plus ergonomique. En tout cas, vos clients le feront pas. Vous pourrez le faire sûrement. Il existe au moins une dizaine de projets en ce moment qui sont créés et qui sont des éditeurs de fichiers texte Jekyll. Voilà. Et qui vont être en fait qui vont ressembler énormément à WordPress. Donc ça va vous permettre de faire des sites Silex, dont vous faites les gabarits, qui sont entièrement statiques, donc beaucoup plus efficaces que WordPress, mais avec quand même un back-office que vos clients comprendront. Je vais rafraîchir là pour vous montrer que j'ai pas dit n'importe quoi. Oh là là, mais oh. Bon bah GitHub aujourd'hui il veut pas. Hein. Il doit y avoir beaucoup de gens là qui travaillent. Donc voilà, ça va. Ah bah ça l'a mis à jour. Ça c'est mon ma ES, c'est ma page ES espagnole. Je pense qu'en fait il n'a pas publié. Je vais republier pour être sûr. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu le concept. Évidemment, c'est une démo, donc ça marche qu'à moitié. Comme j'ai ma fierté, je vais quand même le publier, mais je vais vous finir l'atelier pendant ce temps. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a cloné un site Jekyll sur GitHub. On a publié un site Silex avec l'option Jekyll Layout dans ce même site Jekyll. Et après, on a édité notre site Silex en mettant un petit markdown, un petit markup, là, un petit comment on appelle ça, pardon, un petit langage de s'appelle Liquid, donc c'est un petit langage de balise. Ouais, GitHub c'est long, hein, Brice, hein, je suis bien d'accord. Alors que Silex c'est tellement rapide. Donc on a édité notre template Silex avec des petites balises pour dire c'est là que je veux mon contenu, et on a édité des fichiers texte dans GitHub pour créer le contenu. Si vous voulez par exemple faire en sorte qu'il y a une page 404 custom, ce qu'on appelle une page 404 custom, c'est-à-dire si je demande une page qui n'existe pas, que ça me serve une page Silex jolie, etc. C'est super simple, il suffit de créer ici, je vais vous le faire en direct,